usine d'enrichissement des terres de Zakaev, et on la compromet. Ensuite, on se rend à la zone de parachutage avec Ravnov, Janssen et son neutralisateur. Ok, let's go! Infiltrons-nous dans la mission finale, en solo, face à Orcus. En vrai, cette mission, elle est pas mal, je trouve, comparée aux autres. Hop, du coup, on le fait sans gilet. Et on a quoi? Une autorèse. On a notre arme Pack-a-Punch 1. Et on est en rareté bleue. On va prendre le temps. Putain de merde. Let's go. Attention aux mines. Faut vraiment éliminer les bots, hein, c'est eux le problème. Surtout les snipers. Petit zombie. Ah, vous voyez, tout à l'heure j'étais en rareté légendaire, je l'ai tué beaucoup plus facilement. Hein. Epic, pardon. On voit la diff, hein. Après, il y a 100% de dégâts en plus, donc. De différence. Là, j'en ai 100% en moins. Élimination de zombies confirmée. Putain de merde! C'est un imitateur. Ah, c'est aléatoire en fait. Le spawn de l'imitateur. Soit il spawn là, soit il spawn après. Striker level 18, merci pour le follow, bienvenue sur Twitch. Est-ce que c'est normal qu'une fois que la dernière mission de l'acte 1 soit terminée, elle soit toujours active sur la map? Oui, et parfois, quand quelqu'un de la partie la lance, ça me lance également. Ouais, ça lance tout le monde. Ouais, ça lance tout le monde. C'est un bug, ils sont en train de corriger ça. C'est là depuis le début. C'est relou, mais bon. Ça lance toute la map et chacun est dans son instance, donc t'es tout seul ou avec ton groupe quoi. Selon combien t'es. Du coup c'est relou hein, c'est pas que pour la mission 1 hein, c'est 1, 2, 3. Hein. Donc ouais c'est très relou. Une game sur deux je me fais TP moi. Ou je crache. Hop. Let's go. J'espère qu'ils ont pas de choix, ils sont au courant, ils ont dit qu'ils travaillaient dessus, mais après. Faut leur attendre un peu quoi. Ça fait déjà 3-4 jours qu'ils ont dit ça. Ok, on se plaque à chaque fois qu'on se fait des plaques. On va se faire one shot. Parfait. Hop. Let's go. Explosif amorcé. Bon, aérien est presque en position. Ce que j'ai pris là. Une fois privé de sa capacité d'enrichissement, un neutralisateur avec tout ce qu'il a. Ok, parfait. Ensuite. Prends le temps de les tuer, on va pas trop vite. On va le déloger lui. Ok, des petites plaques, on sera mieux. On avance. Ici Fang, j'ai le paquet en visuel. Je me dirige vers la zone de largage. Atterrissage avec les VIP. Hop. Il est impératif que le
Hop là, hop là, hop là. Attention au bâtiment. On peut looter, mais y a pas besoin. Hop. Ouah, dur Théo. Tue les zombies restants peut-être. Meurs un peu. Ok, il y a mes potes qui arrivent. Ça monte tard. Docteur Johnson qui arrive. C'est lancé. Je sais même pas où il est. Ouais. Il a... Merde, l'hélico. Saloperie d'hélico. L'activité sismique s'affole. Quelque chose d'énorme vient vers vous. Regardez. Vous voyez comment il l'a attrapé? Et ben moi il m'a attrapé comme ça tout à l'heure. Ok, c'est bon pour vous? Et ça one shot. Va falloir sortir l'artillerie lourde pour la... Ah c'est chiant sans putréfaction. Parce que je dois m'occuper des zombies du coup. Donc là il part dans le sol, attention. Faut rester en hauteur ou dans un bâtiment. Sinon il nous soulève. On le laisse faire son tour jusqu'à temps qu'il revienne. Faut pas essayer de le voir. Parfait. Il nous bouffera pas comme ça. Ok, si je peux donner un conseil, vous pouvez venir en arme améliorée pop 1, c'est bien. Mais par contre, essayez de prendre une rareté épique pour tuer un peu plus facilement les zombies de niveau 2. C'est ça qui pêche un peu. Et venez avec une amélioration putréfaction. Un mode munition putréfaction, la putréfaction là. Ça va faire spawn un zombie, il va s'occuper des 2-3 zombies qui traînent. Ce sera plus simple. Mais là, nous on le fait à la dure. Bon, son attaque comme ça, faut faire attention aussi. Après, faut tirer dans. Oh, on rentre. Après, faut tirer dans ces trucs violets. Hein. Le shop, y'a quoi dedans? Oh, tous les trucs de base qu'on connaît. Hein. Y'a des autorez, si besoin. Pas beaucoup de dégâts.
Faut vraiment viser les trucs violets, hein, c'est sa faiblesse. Waouh. Ok, il nous défonce même à travers le bâtiment. Ah non, il nous a foncé contre le bâtiment, ok. Ouh. On va peut-être aller plus par là. Hop, le petit toit. Pour être tranquille. Pas si tranquille que ça. Ah, c'est mieux de rester à côté de ses mates. Voilà. Attends, quand il se balade comme ça, faut pas être dehors. Mieux rester à côté du docteur Jensen et de Ravnov, au moins il tue les zombies. Bon, ça se fait à la longue, hein. Un peu long en le faisant comme ça, mais sinon ça se fait, hein. On fera une autre vidéo où on le fera hyper rapidement en solo. Full stuff, voir la diff. Oh, il l'a chopé. Ah, là ça touche bien, là ça descend bien, là. Voilà ce qu'il faut faire. Je me souviens qu'on a accès sur les côtés, hein. J'ai acheté quelques plaques. Bon, les zombies en drop. Il replonge. Ouh, c'est chaud, hein. C'est challengeant, hein. Je sais pas ce qu'il a bouffé, mais il a voulu bouffer un truc. Allez, déplace pas. Oh, les bouts de chair. Ok, il s'est remis là. Il est bientôt à la moitié. Ah, ça c'est du boss fight longue durée, hein. Par contre à plusieurs vous le tuez tellement vite. Même full stuff, je suis sûr on le tue trop vite. Parce que nous on l'avait fait hyper facilement, hein. La hitbox elle est un peu buggée, hein. Faut tirer sur les côtés, hein. Moitié de sa vie. Oh là. Pensez à reprendre des mines à chaque fois pour votre décor. En vrai, il est bien là quand il se bloque là-dedans. Les petites sphères maintenant.
quand il a la moitié de sa vie. Des petites orbes. Ah oui, elle nous attaque les orbes. Waouh, waouh, waouh. On remonte. Malin, hein. Malin, malin, les petites orbes. Ouah, il traverse le bâtiment. Ok. Toujours pas, 4 secondes. Chiller pour les zombies, pour pas trop être dérangé. Aïe, elles font mal les sphères hein. Elles déplaquent également. Wesh. Wouh. C'est chaud. On adore. Oh putain. Ah, y'a du challenge solo. Solo no stuff, y'a du challenge. Full stuff, à mon avis, y'en a pas. Saloperie de sphère là. Elles me font trop mal. Bienvenue Tino. Alors on va reprendre un peu de plaque. On y retourne. Ok, j'ai eu ces sphères. On a moins facilement accès à ces trucs violets hein, d'en bas. On y a plus facilement accès d'en haut. Allez, le dernier quart. Ça vient bon. Bon, son tir c'est facile. Merde, son tir c'est facile à l'éviter hein. Il tire tout droit. Faut penser à péter ces deux sphères. Elles, elles sont chiantes. Les deux orbes.
parti. Waouh, il essaie de nous bouffer là. Allez, 3 secondes là, même toi. Attends, mesdames, je t'explique après. Ah, il est bientôt mort. Ah, je fais le, eh oh. J'ai trop de zombies sur la gueule. Allez. J'ai plus de balles. Sept secondes. Zombie confirmé. Oh, il est mort. Ils l'ont fini. Let's go. J'en ai frisson. Pourtant, je l'ai déjà vu, hein. Vous vous rappelez pas? On l'a déjà fait. J'ai cru. J'ai entendu une voix. Quelque chose. M'appelait. M'appelait de l'au-delà. Gigi! Amenez-les au trou. Green mènera les interrogatoires. Aucun signe de Zakaev. Il est peut-être blessé. Mais il est toujours vivant. La prochaine fois qu'il se montre. Le plombe. Qu'en est-il du neutraliseur? Dobbs, quelle est la situation? Dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles. Négatif. L'explosion a été efficace, mais les contacts de l'éther noir se reforment. Et merde. Je relève aussi une grande quantité d'énergie dans la zone rouge. J'ai jamais rien vu de pareil. Eh ben, on s'est fourré dans une belle merde. Moi, je vous le dis. Tout le monde retourne à la base. Je dirais bien que cette opération s'annonce encore très longue. Veng, Ravnov. Prêt pour l'évacuation. Bien reçu. Attendez, arrivez dans 2 minutes. Et ça, la suite là. C'est ça qui nous intéresse. Eh ben Gigi, on a réussi à le refaire. Je l'avais pas encore fait solo. Et je l'ai fait du coup, first try solo. Sans gilet. Voilà, avec une arme peu améliorée. Voilà, ça se fait. Hein. Évidemment, si vous êtes full stuff, ça va bien plus vite. Avec les mastos, oui, c'est faisable aussi, ça va plus vite. Mais même avec votre arme, full stuff et tout ça, ça va plus vite. Hein. Nous, la première fois, on l'avait fait full stuff, c'était easy. Hein. Il était fait en 2 minutes. Hein. Vraiment. Voilà, 13 minutes en vrai. Ça va? On sait que ça avait duré plus longtemps que ça, mais pas tant que ça, visiblement. 5 000 émissions avec de l'équipement, waouh.
Let's go, GG!